Première grosse mobilisation sociale depuis la promulgation de la réforme des retraites en France. Une fête du travail sous forme de test pour l'intersyndicale qui espère près d'1,5 million de personnes dans les rues. Une note du renseignement parle de 500 à 700 000 manifestants. Un 1er mai au Portugal, mille feuilles de plusieurs contestations sociales. Dans le pays, les tensions se sont accentuées ces derniers mois. Grève des enseignants qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail, prix élevé du logement et l'inflation sont dénoncés par les Portugais. En Grèce, manifestation qu'on annonce record depuis les mesures d'austérité en 2010. La population reproche notamment au gouvernement le manque d'entretien des services publics. Une colère ravivée depuis un accident de train qui a fait 57 morts fin février, dont plusieurs jeunes.